Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos de la saison 6 et plus précisément on va découvrir la nouvelle map, donc on va faire une découverte ensemble. Enfin moi j'ai pas encore lancé la map, de toute façon vous voyez bien je suis niveau 1 avec mon nouveau skin Bambi les potos, parce que si vous ne le saviez pas j'étais ban définitif, donc j'ai dû me recréer un compte, donc voilà. Alors première chose qu'on va faire c'est acheter tout simplement le pass de combat, parce que j'ai enfin reçu mes 1000 V-Bucks que j'ai acheté il y a plus d'une heure ou deux. Il m'a fallu du temps avant de les avoir sur le compte. Donc passe de combat amélioré, ok, donc 50 XP, ouais, le DJ Lama, si la famille, la calamité, les défis de passe de combat, les défis de la calamité, ok, nickel. Alors premier truc qu'on va faire c'est s'équiper un skin, ok, vous êtes d'accord, parce que comme j'ai pas de skin on va s'équiper un skin. Celui-là il est fort lumineux mais on va quand même le prendre pour la première partie. Donc là j'ai rien d'autre de toute façon. Donc voilà, alors c'est parti, on va lancer en solo, solo VC squad parce que moi je suis un PGM. On va lancer en solo, tout simplement solo parce que ça fait tellement longtemps que j'ai plus joué. Ces jambes, on dirait qu'elles sont tellement blanches qu'elles sont limite transparentes. Donc ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué les mecs que je dois être un gros noob. Alors vous pouvez voir l'arrière-plan, donc on peut voir très bien que Loot Lake a été défoncé, donc a été modifié, et apparemment il y a plusieurs nouveaux endroits dans la map qui ont changé. Alors on va découvrir ça ensemble. Alors ah oui complètement. Est-ce que l'île de démarrage a changé? Apparemment pas du tout. Est-ce qu'on voit quelque chose de plus? Ah, on voit l'île là-bas, mais on voit rien de spécial. Par contre, sur la carte, ok, il y a carrément un vortex. Enfin, il y a une animation sur la map. Ça, c'est ouf. Alors, il y a des petites zones. Ok, donc là où le cube s'est arrêté, à chaque endroit, il y a les zones qui s'affichent en mauve. Et on va directement aller dans une zone. On va aller directement là. Hop, c'est parti. Ok. Alors là, ici, regardez, il y a un château, les mecs. Oui. Donc il y avait une image qui avait fuité. En fait, c'était pas une image qui avait fuité, c'était carrément un trailer de Epic Games qui montrait dans son trailer. En fait, on voyait au loin. Hein, j'ai vu ça sur la vidéo de ZRK. On voyait au loin un château et en fait, effectivement, ils font ça sur les nouvelles versions, donc les trailers qui sortiront prochainement. Oh putain, c'est trop stylé. Loot Lake en apesanteur, j'aurais dû y aller en direct en fait. Mais je voulais tester le nouveauté. Donc déjà, on va prendre une arme. Oh, non, c'est bon, c'est mort, il va me tuer. Non, c'est bon, il me tue pas. Non, putain, je suis déjà mort, quoi. Je suis dégoûté. Alors, le symbole... Donc autour du symbole il y a 3 coffres, ok. À mon avis à chaque symbole il y a des coffres, mais je voulais aller là parce qu'en fait il y a des nouveaux objets consommables, un peu comme les pierres de gravité qu'il y avait avant. Maintenant c'est des cubes, des petits cubes comme ça, un peu comme le cube qu'il y a. Donc voilà, attends, j'avais vu ça dans Actu je crois. Voilà, les pierres d'ombre, voilà, ça s'appelle des pierres d'ombre et j'ai tellement envie d'essayer de ça pour savoir c'est quoi en fait. Donc absolument, il faut qu'on y aille, on y va en premier et après on ira voir d'autres endroits. Donc je vais d'abord aller au château. Comme on passe au-dessus du château, on va aller visiter ce nouvel endroit. Donc voyons voir, est-ce qu'il y a d'autres zones qui ont changé? A priori, je ne vois rien qui a changé de plus. C'est des arbres là? Ouais, c'est des arbres. Non, on ne voit rien de spécial. Alors, on arrive au château. Okay, on va aller ici, juste ici. J'ai vu un coffre. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ok, c'est bon, il y a bien le coffre. Comme je suis assez nul, faut que je trouve un coffre en premier avec une bonne arme. Ce serait cool. Ok, une petite silencieuse, ça peut le faire. Avec une AR, très très bien, ça, très très bon.
Ok. Allez, vas-y, c'est bon ça. Ça, c'est très très bien ça. Premier kill. Tranquillement, mais sûrement. Oula, il y a un deuxième kill pour moi, ça. Et voilà, deuxième kill pour moi. Voilà, lui, il est chaud, lui. Il est où, lui? Il est fou, quoi. Pourquoi ça construit pas? Pourquoi ça construit pas, frère? C'est quoi, cette histoire? Putain, plus j'ai pas de vie. Faut que je change mes paramètres. Je pense que ma spécialité... Ah, mais je suis en spécialité combat, frère. Ah, ok, spécialité construction. Ok, merci. Personnaliser. Ah oui, on peut personnaliser maintenant. Oh, c'est génial, ça. Ça, on verra ça plus tard. Personnalisera nos touches. Quand on me le veut. Ok. Nickel. Nickel, ça, c'est bon, ça. J'ai entendu qu'il y a un type qui vient de se faire tuer. Moi, je vais me soigner et je vais aller voir un peu... Essayer de le finir. J'espère qu'il va pas se soigner aussi. C'est bon, je l'ai mis sur lui. Yeah, money. Nickel. Ça, c'est bon. Ah, franchement, on se débrouille quand même pas mal pour une deuxième game. Je suis vraiment nul. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Je me suis pas entraîné depuis. J'ai pas joué depuis. Franchement, je m'impressionne, en fait. C'est cool. Ramasser un objet légendaire, carrément. Ah oui, ok, légendaire, ouais. Épique, quoi. Légendaire ou plus. Donc voilà, on n'aura pas exploré grand-chose du château. Mais, ben voilà, c'est un peu un château banal. Je pense pas que je vais y aller. Non, je vais pas y aller. J'ai envie de découvrir un peu autre chose. Je suppose qu'il y a un grand hall hein, à l'intérieur. On y retournera peut-être à la deuxième partie, je ne sais pas. Là, on va passer près de Loot Lake, les potos. Et on va aller voir qu'est-ce qui s'y cache. Quelles sont les nouveautés? Est-ce qu'on va pouvoir mourir? Ça se tombe, je vais mourir dans le cratère. Hein, mais what the fuck? Quoi? Le truc, il bouge. Eh frère, le truc, il bouge. Eh, je te jure qu'au début, il était là. Il était à Loot Lake. Et là, il a bougé. Mais c'est génial, le truc, il bouge. Oh, attends, il y a des ennemis, là. J'en ai tué un. Et j'en ai tué deux. Pouf. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Soit cool est là, les mecs. Soit cool est là. En or, si, c'est bon, ça. Il y a un ennemi tout près de moi. Il me casse les couilles. Ah, c'est la Scar avec un silencieux, en fait. J'avais même pas capté. Oh, c'est stylé. Je savais même pas qu'il y avait ça. Et quoi, dégâts 33, DPS 181, et celle-là, dégâts 100, ah, DPS 182, dégâts 35. Ok, c'est mieux celle-là, alors. La silencieuse, elle est bien aussi, quoi. Vas-y, je la prends. Non, je la prends pas. Putain, la zone, putain, je suis trop con. Eh merde. Putain, mais il m'a niqué toute ma vie, cet enfoiré. Tiens, connard, il a voulu me niquer, mais c'est moi qui t'ai niqué. Bim, qu'est-ce qu'il y a, enfoiré, là. Putain. Il a gâché ma game, cet enfoiré, là. J'arriverai jamais. Si? Restons positifs. Eh, j'ai quand même fait 6 kills, les frères. Oh, putain, c'est ouf. C'est ouf. Ah, mais en fait, il y a quand même l'autre lait qui est... Il est là, Loot Lake, il est en haut. Mais alors, c'est quoi ce truc-là? Faut que vous m'expliquiez, c'est quoi ça? Si c'est pas Loot Lake. Alors ça? Mais c'est trop stylé, bon, il y a des constructions et tout. Oh putain, je peux même pas y aller, je suis deg. Ah putain, ça va quand même, hein. J'ai fait un top 18 pour une deuxième game, c'est bon ça. Allez, c'est reparti. On va refaire une autre petite game. On va aller dans un autre endroit, on va aller à Loot Lake. Directement voir un peu ce qui s'y passe parce que ça me semble un peu chelou tout ce qui se passe là. Il y avait un truc, il a bougé, je suis sûr, il a bougé. Ou alors il s'est dupliqué, je ne sais pas. On va changer de perso aussi. On va mettre le perso cowboy meuf. Enfin, cowboy femme, quoi. Ok. Regardez-moi ce petit pigeon là. Vous voyez ce petit pigeon?
c'est celui qui a acheté la PS4 rien que pour avoir le skin. Non, je rigole, c'est pas un pigeon, ça se tombe, on lui a donné, ou je sais pas, elle a réussi à l'avoir, je sais pas comment. Toujours des petites astuces, de toute façon. Bon, cette fois-ci, nous allons sauter en plein milieu de Loot Lake. Et nous allons carrément sauter tout de dessus. Et je pense que ça va être le bordel. Donc, principalement, si vous voulez survivre à ce genre d'escapade, à ce genre de voyage, il faudra impérativement essayer d'atterrir sur le toit de la maison pour prendre le coffre. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, je peux vous faire un dessin. Non, je vais essayer de vous montrer. Parce que je parle, mais est-ce que je vais y arriver ? Hein ? Ouh, ça me semble un petit peu limite, ça. Ah, je pense être le premier ? Oui, je suis le seul. Je suis le seul. Carrément. Ok. Le monde, franchement, jamais vu ça. Jamais vu ça, les mecs. Jamais vu ça. 2 kills. Oh, mais c'est trop stylé comme tu veux. Quand tu veux t'évader, t'as vu ce que tu fais? C'est trop stylé. Et voilà, un troisième. Un quatrième. 4 kills, les potes. 4 kills. 4 kills. Franchement, c'est stylé. Après, est-ce que c'est des kills mérités? Je ne saurais pas. Je ne saurais pas trop te le confirmer. Par contre, il y en a... Là, je suis un cinquième. Et celui-là, il était mérité. Celui-là, il était mérité, mon frère. Juste qu'il faut que j'aille me cacher parce que lui, il veut ma mort. Alors, hop. Le type, c'est la première fois que j'utilise ça, mon gars. Ouh, je lui ai mis 99. Ça tire à... Ah oui, ça fait mal. Voilà, tiens, dans ton cul, mon gars. Il se prend pour un bol ou quoi? Non, j'hallucine. Il y a des bruits trop bizarres, franchement. Il est où, lui? Il est plus là? C'est barré. Apparemment. Je crois que tout à l'heure, le truc là qui a bougé, c'était un bug. C'est obligé parce que là, il bouge pas. Pourquoi que quand je suis dessus, il ne bouge pas et quand je suis pas dessus, il bougerait? C'est que c'est un bug. C'est obligé. Alors, faut savoir que soit cool mec... vient de laver... Oh, Pleasant Park. Je viens de voir quelqu'un. Je n'ai pas tout lavé, en fait. Oh mon dieu. J'ai fait le grenouille. Non. J'aurais pu le tuer, je l'ai touché, hein. Mais c'est juste que l'autre enfoiré, je sais pas ce que j'ai fait n'importe quoi, j'ai sauté sur le truc, j'aurais pu le laver Pleasant Park, Loot Lake, excusez-moi. En plus, le type, il a tué une personne, quoi, une personne, j'aurais tellement pu le défoncer. Regarde, il arrive même pas à remonter, tiens, fuck, shit. Donc là, on a visité un peu le bazar. Par contre, je suppose que si on arrive tout en dessous de Loot Lake, donc de la base de Loot Lake, donc vraiment tout en dessous, là où il y a le cratère, je pense que vous réapparaissez tout en haut, en fait. Ça vous propulse en l'air. Je pense pas que ça va vous tuer. Donc, je vais faire le test. Vous savez quoi? Je fais le test. Regardez-moi ça, niveau 4. Ça va trop rapidement. Prendre des récompenses. Normal, je joue bien, alors. Pour un Bambi, c'est cool, hein. Ok. Oh, 5 paliers gratuits. Ah, mais non. Commencer la prochaine saison sur les chapeaux de roue avec les paliers gratuits. 5 paliers gratuits, bonus. Ah, c'est pour la prochaine saison, ok, c'est vrai. Bah ouais, logique. Moi, j'ai plus tout ça, comme j'ai plus... bah voilà, j'ai plus rien. J'ai un nouveau compte, c'est tout. Allez, c'est parti. Regardez-moi le skin cowboy meuf. Il est quand même badass, hein. Voilà. Alors, franchement, il est quand même bien. Alors moi, je me retrouve avec ma pioche de Bambi et tout, quoi. Trop marrant. Alors, ce que je vous expliquais, c'est que au mieux d'atterrir
sur l'Outleg, donc la maison, la grande maison au milieu qui est en l'air, hein, en apesanteur, je vais tout simplement atterrir dans le cratère, dans le vortex qui se trouve juste en bas. Je ne sais plus comment ça s'appelle, un truc comme ça. Quand la mer, elle fait ça, ça s'appelle... Il y a un nom bien précis quand elle fait ça. Parce que ça arrive hein, dans la vie réelle, il y a des trucs comme ça. Des trous comme ça qui se forment, et puis après, ben, ça attire tout l'eau, et puis voilà, ça fait un raz-de-marée. Je ne sais pas trop ce que ça fait, mais ça fait quelque chose. Donc là, on va déjà prendre un petit coffre. Hein. Hop. Merci la famille, une petite silencieuse. Et là, on va directement sauter dans le trou. Ok, ok, c'est bien. Oh! Ah, je peux descendre! Est-ce que je peux aller dans... Ah non, on peut pas. Ah, je peux descendre pour prendre de la vitesse, en fait. Ah non, je peux me diriger, en fait. C'est pour se diriger. Ok. Donc, on a déjà visité l'Outleg, hein, c'est pas nouveau. Donc, ce que je vais faire, c'est aller autre part. Où est-ce que je pourrais aller? Ah, ben, là-bas. Voilà, c'est bon. Je sais où je vais aller. Donc, hop, on enlève ça. Et on va vers Pleasant Park. Non, Salty Spring. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai plus joué que je ne sais même plus c'est quoi les noms des villes. Oh, la tempête, regardez, la tempête, elle a changé en fait. J'avais pas remarqué. C'est une tempête mauve. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Une petite nouveauté comme ça, c'est stylé. Alors, on va aller voir ce que les marques, elles font. Et on va aller voir aussi c'est quoi le nouvel item consommable qu'il y a dans la map. Parce que le cube noir, je ne sais pas quoi là. Obscur, ouais, le cube obscur, je pense. Il y a des sortes de bulles dans les airs, regardez, il y a des sortes de bulles comme ça. Et regardez, alors voyons voir qu'est-ce que ça donne. Consommer. Oh ! Non ! Non ! C'est pas vrai ! Non ! Oh ! Oh ! Je passe à travers le mur ! Non ! Attends, arrêtez, traverser. Ah, ok. Maintenir, arrêter. Ah, c'est pour l'arrêter. C'est trop génial! Non, franchement, c'est trop génial. Ils ont tué sur ça. Putain! Est-ce que je peux voler? Oh! Ah non, je vole pas, mais je saute en apesanteur. Et est-ce qu'on peut me tuer? Est-ce qu'on me voit aussi? Putain, t'imagines, frère? C'est trop stylé, frère! Regarde, j'arrive là, genre, il y a un ennemi, il a mis un mur et tout. Je passe à travers, boum! Je me remets normal et je le défonce, gros. Ah, on le voit sur triangle. Oh, mais ça reste illimité. Non, si ça reste illimité, c'est cheaté, frère. Oh, je peux ramasser des arbres. Oh, c'est trop stylé. Est-ce que je peux construire? Ah non, je peux... Ah, mais attends. Oh, non. Non, c'est pas possible. C'est trop cheaté, gros. Ah, c'est pas illimité, d'accord, hein, il me semble bien qu'il y avait, un piège dans le ventil. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, là. C'était obligé qu'il y avait un truc. Attends, je pouvais pas être invisible pendant toute la map, t'imagines ou quoi. Mais c'est vraiment cette idée. Je kiffe. Attends, quelqu'un. Il est où? Putain, il casse les couilles là. Ouais, ben voilà, c'est un autre qui m'a tué, fait chier. Ah, fait chier, les bullet fights, c'est quelque chose qui m'énerve en fait, tu vois. C'est pour ça que Fortnite, ça me saoule. Parce que si tu construis pas bien, ben t'es baisé. Alors, je pense que c'est tout hein, pour cette vidéo. Je vais vous laisser là. J'aurais fait une belle découverte, je pense qu'il n'y a rien d'autre hein, quand on analyse la carte. Flush, il n'a pas l'air d'avoir changé, Shifty, il n'a pas l'air d'avoir changé, Grisigre non plus. Là, on peut voir que ça a changé parce que ben, y a le château. Ouais. Donc voilà, alors pourquoi je peux plus dézoomer là? C'est quoi encore cette histoire? Ah voilà. Alors on va regarder s'il n'y a pas un autre truc à changer. Donc là, il y a toujours le truc de Viking. Une place move, le Junk Junction il est là. Lazy Links, Risky Reel c'est toujours le même, Willingwood pareil, ah Tomato Temp, ouais non c'est normal il était déjà comme ça, Retiro, ok, Paradise Palm, ok, apparemment tout est pareil, Fatal Field aussi, okay. Ski Landing, ouais tout est pareil, Justy Divo, pas l'air d'avoir grand changement, j'espère que la map évoluera un peu plus hein, quand même.
pendant la saison 6. J'espère qu'elle évoluera. De toute façon, ils ont dit qu'il y aurait beaucoup de changements, qu'il y aurait des secrets, qu'il y a des secrets cachés. Donc je suis sûr que j'ai pas tout découvert, mais voilà, j'ai découvert ce que je pense avoir découvert le maximum, quoi, le minimum plutôt, on va dire le minimum. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker les potos, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. C'était Sois Cool Mike et ciao. Peace.